Hey, salut à tous les amis, on se retrouve sur World of Warcraft. C'est déjà le 10e épisode, mine de rien. On est passé de level quasiment 31, si je me trompe pas, à 40. Hein. J'ai fait des petits essais, j'ai été en donjon. En plus, c'est là où c'est le plus efficace. On aura le temps de quêter dans les niveaux au-dessus de, je pense, 70, peut-être jusqu'à 60. On va peut-être trouver un peu plus facilement. Normalement, c'est peut-être vers 70 que ça va devenir un peu plus compliqué. Alors j'étais juste avant haut, je me disais, putain c'est con, j'aurais dû faire ce jeu, vous le proposer, genre 2-3 épisodes par semaine pendant le confinement. J'aurais appelé ça confidence sous confinement, un truc dans le genre. Sauf que ça aurait été drôle. J'aurais dû me faire. J'aurais dû écouter et suivre la voix quand on voulait m'envoyer dans les trucs de la pub, les slogans et tout, je suis sûr que j'aurais cartonné. Alors j'ai fini les petites quêtes, alors je ne sais plus ce qu'on a à faire. On a de l'aconite, ça c'est du ramassage. On est dans une zone un peu plus au sud, à la frontière avec Hautebrand, si je me trompe pas. Alors le problème, c'est que l'aconite, c'est où? Peut-être que je mette les bonnes quêtes. Ouais. Là, on me dit qu'il y a quelque chose. Rebelles. Alors il y a 12 rebelles. C'est eux les rebelles. On va les aider. Normalement, ah ouais, j'ai eu un nouveau truc. Il est où? L'ombre fiel. Voilà, normalement ça m'aide ça. Merde, j'ai déjà mis ça. Dis-moi que j'ai le point de talent qui met automatiquement pour l'autre. Une petite mascotte aussi. On a ce bulbule. Éclat du vide. Alors le donjon, ça m'a permis aussi de comprendre un peu. C'était bien ce que je pensais, hein, qu'on pouvait se faire des petits trucs comme ça. Tac, tu claques, petit éclair. Bon bah il est mort avant. Non mais ça va bien vite. Il y a encore, mais il y en a partout ça. Élite 41. Il est avec nous. Lui il est avec nous. Par contre je vois pas les plantes, hein. Elles doivent pas être exactement ici. Ah ouais, c'est du nombre ciel. Ah, c'est de la daube. Bon, il y a le DPS imiteur, hein, j'étais en train de le dire. Voilà, il fallait que je teste parce que j'ai fait un donjon avec. En fait, il y avait un 60, un 50 et tout. J'ai vu que mon aggro devenait dangereuse par moment. Alors, je me suis dit, oulala, il faudrait peut-être que tu fasses gaffe. Donc je me suis dit ouais c'est cool, ouais faut que je fasse gaffe. Fais attention à ta place. Faudrait avoir mon DPS meter histoire de savoir un peu sur chaque combat. Alors le truc je vais mettre le reset parce que là je sais pas s'il est sur présent. Ah il est pas sur segment de présent, voilà il faut que je le mette combat par combat. Ça vaut mieux. Ah disons que c'est plus utile, genre sur un boss ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que ça me permet de m'ajuster. Je le dis franchement. T'as le toucher vampirique, il est long. Mais normalement, si tu mets le toucher vampirique, bim bam boum, normalement, ça doit te. Enfin, le deuxième devrait aggro dans pas longtemps. Je crois qu'ils sont deux là-dedans. Ouais, je t'ai pas doté, toi. Je sais, c'est pas bien. J'adore les petits doigts. Ah ouais, on voit. Ah, ça lance des esprits. Regardez ça, bam, ça fait du dégât. Mais c'est trop bien! Au cas où s'il me fonce dessus. Voilà, merci bien. On est déjà 7 sur 12, mine de rien. Ouais, tu lui mets ça. Tu lui mets ça. T'en remets un. Il est tout seul. Alors, franchement, le problème, c'est qu'éruption du vide. Je sais pas si ça vaut le coup quand t'es en solo comme ça, cible par cible. Quoique, après, tu peux le laisser un peu ouvert. Allez, meurs. Je veux pas mourir. Meurs, j'ai dit. Ah, mais t'es sérieux? Ça veut pas crever, quoi. T'es sérieux? Ah, si, c'est bon, ça marche. Je me disais, tiens, ça marche pas.
Ah non, mais c'est classe, regardez, je lance des petits trucs. Mais je croyais que j'avais ma mascotte, mais non, ma mascotte c'est le petit cafard. Tiens, j'en ai profité un peu pour regarder aussi sur les mascottes. En fait, il faut aller là où il y a des traces de pattes, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas ici. On est d'accord. Côté, c'est quoi ici? Je sais jamais, c'est Royaume de l'Est ici? Ouais, Royaume de l'Est, c'est écrit en gros. Kalimdor, c'est de l'autre côté. Pour ça qu'ils disent, ouais, va en gris, tu verras, c'est Yimbe. Bah alors, j'allais dire j'appuie, ça fait rien. Ouais, cette fois-ci j'ai fait l'inverse, j'ai mis la dot d'abord. Je me suis dit j'ai pas gros la fois d'avant. Ah, je devrais peut-être mettre. Comment dire ça? Non, mais c'est bien, il y a des gens qui tankent pour moi donc. Faut se faire chier. J'aurais pu même doter, on aurait été un cran plus vite. Nous on va mettre double mot d'ombre. Ouah, le crit 449, c'est ça qui peut être dangereux en instance en fait. On va voir s'il y a de l'instance. Hier soir, j'ai voulu jouer un peu sur un autre perso. Ça a été compliqué, il a fallu que je me mette healer. Je déteste ça. Ah, j'aimais ça à une époque, mais pourtant c'est un peu inné chez moi. Même si j'exploite pas à 100% le perso avec les nouveaux systèmes. Allez, le dernier. Que je pense que maintenant que le paladin il y a encore moyen d'optimiser. Tiens. Point mental. Donne-moi ta thune. Ok, ça c'est fait. Aconia c'est par là. Waouh, mais il y avait du monde en vrai ici. Ouais, je dote partout. Je me dis, on verra si ça me donne de l'XP. Quoi, ça peut servir? Ah oui, j'ai oublié de baisser, j'ai mis en grand, donc ça me met derrière les dégâts. On verra si ça me donne de l'XP. Ouais, j'aime bien faire ce genre de coup de fils. Ah ouais, ça me donne l'XP, sa mère. Ah, il y a de la cogna. J'ai eu l'XP dans mon dos. Mais je sais pas si ça m'a donné pour tout ou pour un. Alors, il nous faut des plantes. Putain, cette ambiance, pardon, lugubre et macabre, c'est tellement stylé. Il n'y aurait pas quelqu'un qui est en train de faire. Alors attendez, on va se mettre en donjon aussi, j'ai dit. Un petit peu donjon aléatoire classique pour 2 PO. J'ai vendu aussi, je me suis fait du pognon normalement. Moi, je suis presque à 150 PO, mine de rien. J'aurais presque rattrapé mon paladin. Ouais, je joue pas la heal. Eh ouais. Mais c'est juste pour les transmos. C'est parce que je suis un fan du T4. Je fais partie de ces gens qui aiment le T4. J'ai pas vu les nouveaux sets. Faudrait que je regarde. Après, je sais plus, j'en avais regardé, mais je sais plus sur quelle classe. J'avais pas trouvé ça foufou. Alors, la sixième, bah, c'est devant moi. Alors après il faudra faire appareil de communication réprouvé. Donc ça ouais ils arrivent pas, soit ils sont morts, soit je sais pas quoi, il faut leur ramener. C'est ce que ça m'avait dit. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne que je suis tout seul pour l'instant, mais des fois ça vient d'un coup. Alors ça. Merde, j'ai aggro, c'est un élite 39. Il est où? Pourquoi ça m'a désaggro? Ils viennent se suicider, non, c'est pas ça. Faut que je fasse gaffe, fais gaffe. Mais non, mais lâche-moi, t'as mis, ils viennent à deux en plus. Racleur de ces morts. Mais lâchez-moi. Là, vous êtes pas sérieux. T'as rien fait. Oh, j'aurais pu prendre le poney pour aller aussi loin. Mais non, je me mets le boubou. Le mec il se bulle sa mère. Je veux me healer, je me bulle. Ah, mais j'ai le bug du combat. Ça c'est chiant aussi, ça casse plus le combat maintenant quand t'as gros comme ça au bout d'un moment. C'est super chiant, je trouve. Bon, ça va, on est à côté, mais quand même. Alors, des fois tu rentres en combat, ça te casse le combat, mais sinon. Ça existe. Il me semble pas qu'il y avait ça avant ce problème.
Ah, j'ai rajusté la caméra. Ouais, des fois ça me gonflait, j'avoue. On verra, j'en ai choisi un autre, je m'en rappelle plus. Ah, il y a juste à ramasser. Ouais, on s'est gardé la ramasse pour après, quoi. C'est bien. Ah ouais, ils sont tous crevés, les mecs. C'est bon, on a fait toutes nos quêtes ici. Ah, pour l'instant. Ouais, c'est quoi ce renard des hautes terres? Il est classe, j'aime bien sa couleur. Donc ouais, confidence dans le confinement, post-confinement. Voilà, non mais je réactualise le titre, voilà, histoire que ça serve toujours, même si ce n'est plus valable en cette période de mois d'août. Mais donc, ah bah si. Ah merde, juste quand j'allais rentrer. Tiens, je vais en profiter parce que j'ai pas regardé à combien j'étais. Je suis à 11 minutes, donc on a commencé à 36. Ouais, on devrait avoir le temps. Enfin, il manque un DPS et le healer qui a pas appuyé. Salaud, d'habitude c'est le tank. Ah, le DPS a appuyé, le healer. Mais allez, il faut répondre à l'appel. Ah voilà, c'est quoi? Merde, on l'a pas déjà fait? Ah non, c'est la caverne, on l'a pas fait, je crois, celle-là. Y a pas de quête, mais il faut pas que je sorte. Et on fait de la caverne. Donc son étrange fouet, je crois pas qu'on l'ait fait celui-là. Alors moi je l'ai peut-être fait sur un autre perso. Ouais, donc confidence, moi je jouais voleur avant, j'étais un rogue. J'étais spé pas de l'ombre si je me rappelle du titre. Et je crois que j'avais respé après, me semble-t-il. Alors je ne sais plus. J'avoue que je ne sais plus. J'avais respé quoi? Parce que ça avait évolué le jeu, je m'en rappelle. Ah, il est tout seul, on va se le faire. Ils ont l'air d'y aller tranquille. Voilà, on est là pour PEX et discuter de toute façon, regardez en ambiance. On est avec des inconnus, il y a un petit vulpin, ces petits renards. Déjà, il y a un voleur. Moi, je croyais qu'il était. Je me demandais ce qu'il faisait. Ouais, sur ce truc, j'étais dernier. Alors, je connais pas du tout, moi, j'avoue. Je sais pas les gens où ils vont, je sais pas ce qu'ils font. Oh, la taille des épaulettes je crois que c'est un palaïde, j'ai l'impression. Contre, je sais pas ce qu'il fout. Faudrait vous calmer, les gars. Il l'emmène là-bas au bout. Ça va, on est sur du level équivalent. Ouais, je glande un peu. Je vous avoue, c'est le midi. Ah, c'est le midi. On va poser les dots. Je fais le taf, je fais le taf. L'ombre fiel, je vais garder pour le boss. J'avoue que ça dépèse pas folichon et que je glande un peu. Ouais, mais il faudrait que j'utilise mon éruption, mais ça va foutre la misère. Je dois d'abord choisir une cible. On est petites bottes. Encore ces vilains spores. Ah, oh, mais il en a laissé passer un, ce con. On en a laissé passer un. On va se bubule, je pense. Les petites dots, il me reste deux ou trois, donc on va attaquer comme ça. Bon, ça il faut toujours le maintenir, comme on dit. Il y en a plus qu'un, je crois. Avec le fouet mental suffit.
Ah ouais, Shadowverse, vous voyez, premier quoi, dès que je joue un peu sérieux, j'utilise les éruptions du vide, c'est fini. Par contre, ils font quoi là? Parce que les voix, elle est là-bas, mais ils ont pas l'air tous d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, d'accord, c'est bon, il savait qu'il y avait deux ZAD. Mais il fait quoi là? Oh là là, l'autre il s'est fait dépouiller. Je sais pas ce qu'il nous a fait, mais il a fait un peu de la merde. Je préfère vous le dire. Ah bah ouais, maintenant tu cours partout. Bon, il reste que la plante, je pense. Et il a eu chaud là, t'as. Ah mais ça c'est donner du travail au heal pour rien. Mais ils disent qu'il n'y a rien ici. Ils font. En vrai, ils savent pas où ils vont. Ah bah ouais les gars, forcément moi je vais prendre tout le truc. Hein. Je préfère vous le dire. Voilà, c'est bon, le mage va être supporté. Non mais l'autre il se casse avec tous les mobs. Tu te casses pas avec quoi. Pour groupler. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens derrière, devant. Oh les gars. Bon, va falloir claquer le truc du vide là parce que ils font de la merde. Mais l'autre il est reparti, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce tank? Mais pourquoi ils courent dans tous les sens les mecs? Obligé de voter. Ah, c'est devenu à la mode les votes, j'ai remarqué. C'est qui? Je sais même pas qui c'est. Il poule. C'est ça, il poule, c'est qui? Les gars, j'ai 4K d'avance sur vous. Non mais le mec il se fait agresser quoi. Oh là là. Quand même. Vais juste mute, tu vas parler solo. Ah mais parce que les mecs ils ont le vocal activé, ok. C'est vrai que comme moi je l'ai désactivé d'office parce que c'est le genre de truc qui me gonfle. Parce que tu gardes pas l'aggro sur 3 mobs. Ah, j'avoue que le tank puis il est un peu claqué. Oh mais les mecs ils se barrent maintenant. Oh mais ils sont sérieux. Putain, WoW, c'est vraiment devenu ce qu'il y a de pire quand même à ce niveau-là. Sérieux, vous êtes fatigué de vivre. Les gens, ils ont rien à faire que s'embrouiller la life. Enfin, je sais pas. Je sais pas si ça vient de moi, mais. Enfin, c'est bon, on est déjà à nouveau full. Moi, je m'en fous. Je me promène, je suis là en dilettante, hein, je le dis souvent. C'est qui le nouveau tank? C'est toujours. C'est Security Fox, c'est le même. Non mais t'en as. Moi c'est pareil, on m'avait embrouillé là. Genre ouais t'as pas ton cycle de DPS, pardon. J'ai aggro, pardon. Mais j'ai envie de te dire, bah non, j'ai pas mon cycle de DPS. Je te le confirme. J'ai envie de te dire, je te confirme, le perso il a 2 jours. Le premier truc que je fais quand je joue un jeu, c'est pas aller
regarder sur le net quelle est la meilleure façon de le jouer. Je vous avoue, j'ai d'autres priorités dans la vie. Ça, c'est vrai. D'abord, je m'amuse, je quête, je pex, voilà. J'apprends à connaître un peu ou réapprendre mon perso. Parce que dans le cas présent, c'est vraiment réapprendre. Je veux dire, dans les donjons comme ça, si tu vas bien, ça passe quoi. Le bif a l'air de faire mal. Attends, il est cramp. Regardez-les tous ensemble. Voilà, ça marche beaucoup mieux quand tu les laisses les uns sur les autres. Bon, moi je prends tout ce qui se vend. Alors, le boss c'est lui? Ils sont si loin. Ah, mais vous êtes relou! C'est moi où on lui fait plus de dégâts. Non mais on lui enlève que d'elle, donc c'est moi. Oh là là, mais je suis pas. On est obligé de défoncer ces mormons là. C'est pour ça qu'on lui faisait pas de dégâts. Ceci expliquant cela, j'imagine. Ouais, je sais, j'ai fait de la merde, je remue ma dot, je sais pas pourquoi. Parce que ça m'a fatigué la life là, qui s'embrouille à peine arrivée. Je me dis ça a tellement zéro intérêt. Allez, Noxion, il est tombé. Ouais, moi je suis comme ça, chou. J'aggro, réfléchis après. Il était tout seul. Les mecs, ils savent pas où ils doivent aller, c'est ça? Ils sont aussi paumés que moi. Non, mais le mec, en plus, il s'appelle Security Fox, quoi. Tu joues renard. Non, mais voilà, mais tue-les en groupe, te prends pas la tête. Oh là là, sérieux. C'est pas des élites, ça. Fais pas chier, tu les évites d'un coup. S'en fout. Genre la prise de risque, elle est pas énorme, quoi. Oh, mais il y en a un qui a crevé, comment tu peux crever là-dessus? Pas voir ce que c'est. Ah, c'est le voleur. Ok. Putain.
Ah, mais vous êtes trop petits, vous, les gars. Ah, le con, il a libéré. Il est sérieux. Mais même moi, j'aurais pu. On va pas se mentir, moi aussi, j'aurais pu raid. Bah, c'est normal qu'il les ôte, il va pas attendre que tout le monde meure. C'est pas sérieux. Oh là là, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'on se marre. Hein. Ah, j'adore ce genre d'instance. On s'éclate à la queue leu-leu. C'est votre premier perso ou un reroll? Envie de vous dire qu'est-ce qu'on s'en fout. Non, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je peux pas aller sur le truc. Mais pourquoi ça me le met en grand là? Oh. Fais pas chier. J'ai pas assez au segment là. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, si c'est un reroll, c'est pas pour ça que tu sauras jouer ton perso ou que tu connais la zone. Moi, perso, il me semble que je suis jamais venu dans cette version. Ouais, non, mais bienvenue à tous, voilà. Hein. Ouais, voilà, tout à fait ça. Comment perdre 5 minutes? Le v'là. Oh là là, mais c'est déjà des aggros, quoi. Il est sur qui? C'est sur le voleur. Ah, c'est bon, heureusement qu'il y a l'autre en fait. J'ai l'impression que l'autre, je suis pas sûr, mais qui permet de substanter sa grand-mère. Et moi, je suis en train de perdre ma vie. Ah, il n'y a plus ma dot. Quoi qu'il n'y a peut-être pas eu sur celui-là. Voilà, je m'auto-heal. Ça évite de prendre des popos. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Faut pas cramer mon ombre fil. Là, c'est die quand même. Le truc, c'est 2 minutes de cooldown. C'est bon. Faut pas cramer les CD tous les 30 secondes. C'est impossible. Enfin, je déteste les cavernes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sérieux. On m'explique ce qu'ils font. Maintenant on est 4. Qu'est-ce qui se passe? L'autre se fait virer, je sais pas ce qu'il a foutu. La grand-mère devait manger du pain d'épices, je pense. Ok, ils ont pas aimé ça. Alors, c'est juste une hypothèse, attention. Je ne dis pas que c'est la bonne. Mais je pense qu'il y a mal compréhension. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, on va pas attendre pour Vitus là, ou au moins tuer cette saloperie. On se fait chier, voilà. Non mais là je suis d'accord. Bah, ça aura pas été la meilleure instance qu'on a faite, hein.
On a connu mieux. Où j'ai eu un lag. Allez, un petit coup de vide. Tac, un petit coup de dot sur lui. On enchaîne. On dot notre nouvel ami. Petit mot de l'ombre. Ah merde, j'en ai plus. Petit coup de fouet mental. Le dernier boss ou pas? Tranche fouet. Ouais, ça a l'air d'être lui. Ok, donc là on envoie. Allez, on envoie les dots, pardon. Enfin, j'avais pas envoyé vu que ça n'a pas ciblé correctement. Juste mes bulles au cas où. Toucher vampirique le temps que ma dot mon de l'ombre, pardon, putain je bug, je bifouille. Normalement j'ai eu des nouveaux skills mais je sais pas si c'est ouf. Petite synergie du vide là histoire de se finir. Allez voilà, histoire que ça serve à quelque chose tout ça. Ah cool, j'ai eu des sandales de Vignon. La petite quête. Non merci. Voilà, merci. Non, moi je me casse. Je me casse. Non mais ils sont fous, ça fait des dramas tous les 5 minutes. Avec. Je crois que j'ai jamais eu autant de demandes de virer les gens. Je dis sincèrement. Depuis que je rejoue, là sur les trucs bas level, j'ai jamais eu autant. On a eu quoi? Deux au moins. Avec raison. Motif casse-couille quand même. Allez, on va se rendre les quêtes, je pense. Et on se quittera ici, on est à combien? Ouais, on est à 32 minutes avec toutes ces conneries. Heureusement qu'on avait fini les quêtes, ce qui fait qu'on va passer 42, mine de rien. Oh, viens là. Là, c'était pas un stratum, je veux dire, où c'est le bordel, ou ce genre de choses, quoi. Enfin, je regarde un peu le stuff. C'est le bordel. C'est toi qui donnais les deux. Bim, on level. C'est quoi, mener une reconnaissance? Ok. Alors. Attends, il n'y avait pas une quête ici aussi? Attendez, avant de se quitter. Map. Bah déjà, il y a une quête en haut. Le colosse fait la tête. On a fini 3 chapitres quand même. Les ruines de Gilneas, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Allez, en tout cas, nous, on se quitte ici pour ce 10e épisode. Désolé pour les petits trucs qui sont venus comme ça. On s'en fout, c'était, ça s'est quand même bien passé, nous on a été au bout, c'est ce qui compte. Alors j'ai eu un nouveau skill, tiens, contrôle mental. Ah oui, c'est le contrôle de cible. Je vais le mettre là pour l'instant. Ça peut être utile. Ouais, mais ça marche pas sur beaucoup, je pense que ça marche sur les alliés, les trucs comme ça. Je connais pas trop, j'avoue, je connais pas trop. Il me semble que moi déjà à l'époque j'avais été jusqu'au level 40 à peu près, je m'en servais pour pêcher ou genre de choses mon prêtre. Donc c'était vraiment pour me promener dans les coins. Et voilà, donc bah merci à vous, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je rappelle qu'il y a le Tipeee en haut à droite de la bannière. Voilà, vous pouvez simplement regarder une vidéo dessus ou faire lâcher un tips si le cœur vous en dit, mais rien ne vous y oblige comme toujours. Hein. Vous inquiétez pas, l'argent ira pour la chaîne. Je préfère le rappeler. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, les amis.